Bonjour, je m'appelle Nicolas Kaczorowski, je suis le directeur de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, le bureau de Tunis. Voilà, alors on est heureux de célébrer la deuxième édition de la Journée internationale de la démocratie. C'est un projet qui a commencé en 2016. Et notre objectif de cette année, de cette édition 2017, est justement d'avoir plus de partenaires. On est aujourd'hui, je pense, à plus de 100 partenaires de la société civile nationale et internationale. Et nous espérons dépasser aussi le nombre de gouvernorats couverts par ces célébrations. Donc pour nous, c'était très important que ces célébrations, que cette journée internationale de la démocratie ne soit pas une fête tunisoise. Mais on voulait et on insistait énormément pour que la société civile tunisienne dans son ensemble puisse aussi participer aux débats, aux dialogues, aux discussions. On a eu la société civile représentée dans toutes ses dimensions, qu'elle soit nationale ou internationale. On a eu des associations comme International IDI qui était là, IFES évidemment, le NDI était présent, le Carter Center aussi. Ça c'est pour la partie internationale et pour la partie nationale, Jasmine Foundation qui est depuis 2016 un partenaire très, très fidèle et aussi très actif dans ces célébrations. Un pas dans cette direction a été franchi puisque demain, sur l'avenue Bourguiba, pendant toute la journée, c'est Jamaïti qui coordonnera les célébrations sur l'avenue Bourguiba et j'espère que l'an prochain, on verra encore plus d'implication de la société civile tunisienne.